Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Video Deluxe. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut réaliser ce type d'animation et là j'ai pris eh bien Halloween puisque c'est bientôt et pour commencer eh bien je vais vous expliquer un petit peu qu'est ce qu'il y a dans le dossier que vous allez télécharger dans la description. Alors il se prénomme tutoriel Halloween et dedans vous avez un dossier Halloween et quand vous cliquez dessus vous avez trois dossiers. Alors ces trois dossiers vous avez la vidéo finale que vous pouvez utiliser euh, si vous le souhaitez. Ensuite ici vous avez donc le template Halloween, donc ça veut dire la sauvegarde donc, du projet euh, de la création de cette animation. Et ensuite vous avez un dossier tutoriel ce qui veut dire que dedans vous avez tous les éléments que j'ai utilisés pour créer cette animation. Vous allez sur Template Halloween, on clique deux fois dessus et vous allez ouvrir Halloween 2024 MVP. Allez, Magix est ouvert, voici eh bien, ce qui vous attend si vous faites eh bien, un montage d'animation avec des images PNG. Si vous voulez créer vos propres animations, eh bien, vous le pouvez avec Magix. Et il suffit d'être un petit peu patient, d'être un petit peu créatif, de se créer un petit peu son petit scénario. Et euh, là, eh bien, c'était euh, l'occasion, hein, Halloween, on, on, on a plein de choses à on peut créer plein de choses et c'est vrai que grâce à ce site, d'ailleurs, je vais vous montrer. Vous aurez le lien dans la description. et eh bien, euh, vous avez euh, plein d'images PNG, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser la, chromi la chrominance pour euh, justement les utiliser. Et en plus, c'est gratuit. Voilà, donc là, vous en avez une, un stock incroyable. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver autre chose que ça. Euh, par exemple, logo, par exemple, marqué logo. Vous trouvez tous les logos concernant sur les réseaux sociaux, donc c'est pas trop mal. Après, vous avez euh, sur marqué chien, par exemple, euh, hop, et eh bien, vous trouvez des, des petits chiens détourés. Mais c'est fait super propre, quoi. Si vous cherchez horloge, par exemple, hop, et eh bien, là, vous avez plein d'horloges, vous voyez. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Euh, juste un petit truc, si peut-être, s'il me le demande, si, par exemple, vous voulez télécharger, vous faites ici Download this PNG. Vous cliquez sur Click Alphabet, OK et là, vous faites, vous voyez le S en haut, et bien vous faites le, c'est même pas le S, c'est le dollar, hop, vous cliquez dessus. Vous voyez marqué 7, très bien, vous faites 7. Là, vous faites avec le petit point d'interrogation et ensuite le K. Et maintenant, voilà, ça c'est téléchargé. Je reviens donc sur Magix et je vais simplement vous montrer, premièrement, donc dans le dossier tutoriel, je vais mettre le fond. Alors, je vais juste vous montrer. Comment on réalise cette apparition de titre, la petite citrouille qui se balance. Et si au niveau des chauves-souris derrière, l'utilisation de la chrominance. Le petit personnage qui avance avec l'apparition d'un objet. Ici, c'est pareil. Bon, là on est sur le petit balai. Je vous montrerai comment j'ai fait. Ensuite, au niveau des mains. Et eh bien c'est pareil, c'est sur le, le, le même fonctionnement, mais euh, c'est sur la verticale, non pas sur l'horizontale. Et ensuite ici, comme le, le petit bonhomme va avancer vers la petite mémé, et eh bien il vient jeter un sort et elle va disparaître, puisqu'elle ne voulait pas lui donner des bonbons. Voilà, pas le temps de discuter. Et ensuite, et eh bien voilà, vous avez le petit panneau qui euh, est en train de se balancer. Comme ceci voilà donc je vais vous expliquer en grande ligne comment vous allez pouvoir réaliser ce type d'effet. Alors après, voilà, vous choisissez ce que vous souhaitez. Déjà, vous avez dans le dossier tous les objets que j'ai utilisés ainsi que la musique et euh, la voix. Donc, les voix qui sont derrière, et euh, ça, j'ai trouvé ça et Magix Hub. Donc, euh, vous avez plein de choses sur Magix Hub aussi. Donc, n'hésitez pas. Tout ça, alors je vous montre comment on fait cet effet de titre. Alors, mon petit fond édition de titre hop je clique je renomme voilà donc là hop je me mets ici au milieu j'agrandis un petit peu et bien sûr je vais changer la police alors là ce sera calvin que j'ai utilisé maintenant ce que j'utilise vous vous pouvez choisir ce que vous souhaitez ça fonctionnera pareil et par contre je suis resté en majuscule euh... moi je vais baisser un petit peu comme ça fait un truc. gros. voilà parfait bon maintenant c'est fait je vais dupliquer jusqu'à présent c'est pas très compliqué je vais muter la piste 2 et ici je vais donc sur la piste 3 enlever je vais garder le h comme ça donc le h obligatoirement il se retrouve au milieu c'est comme ça c'est pas grave hop on réactive la piste 2 on reste toujours sur la piste 3 et je vais mettre le contour et ce contour là eh bien se donne un peu plus d'épaisseur je vais utiliser taille position rotation pour décaler le h voilà je vais juste revenir sur la piste 2 je reviens sur édition le titre et je vais simplement sur av je vais mettre à 12 voilà très bien alors du coup ben, le H n'est plus à, à la bonne place c'est pas grave je reviens sur euh, la piste 3 et je vais le décaler un petit peu mais de toute façon il va falloir le bouger quand même alors maintenant sur le H justement je vais l'agrandir un petit peu je vais lui donner encore une police, la police un peu plus d'épaisseur voilà et je vais décaler un petit peu Voilà, parfait. On revient sur la piste 2. Sur la piste 2, et eh bien je vais simplement enlever le H. Je vais garder Halloween. Maintenant, je vais prendre taille position rotation et je vais décaler comme ceci. Et voilà. Donc là, voici l'effet. C'est assez sympa. Sur la piste 2, hop, je décale. Et ici, je vais pouvoir travailler donc le H. J'ouvre la tamienne des keyframes en restant sur taille poussée en rotation. Je reviens sur la piste 3. Et là, je fais une première clé. Puisque là, c'est son point d'impact. Je reviens au début. Et là, je vais l'agrandir. D'accord Et ce qui va se passer, c'est que je vais le faire apparaître. Donc là, ici, les trois traits, je mets à 75%. Je vais le faire apparaître ici. Comme ça. Interpolation Bézier, lecture. Et voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Ce qu'il y a, c'est que lui, Halloween, je vais le faire apparaître comme ceci. Donc là, on voit que c'est un peu trop. Disons que le Halloween, là, eh bien il arrive un peu tard par rapport au H. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste décaler comme ceci. Après, vous voyez, on règle comme on veut, comme on souhaite. Voilà, et là, on est très bien. Voilà, donc là, ici, l'effet est terminé. Alors, si vous souhaitez que, on va dire, ça arrive plutôt pas à brut comme ça, mais euh, que ça arrive euh, par euh, diffusion, eh bien, ce que je vous propose, c'est revenir sur, le, euh, sur la piste 3. On va sur euh, effet vidéo, prominence, et on va pouvoir, par exemple, on va se remettre au début. On va ici directement mettre à zéro. On va faire une première clé et à moitié à peu près, comme ceci. On va simplement mettre à 100%. Et là, hop, interpolation Bézier. Et là, ce qu'on va faire, on va voir lecture. Ça ne donne pas l'effet souhaité quand même. C'est bizarre. Je suis bien à zéro. Voilà. On va décaler comme ça, peut-être. Voilà, là, c'est bon. Je décale la première clé et la deuxième clé, comme ceci. Voilà, parfait. Voilà, ça, c'est le résultat. Très bien. Bon, on va passer maintenant sur la partie des personnages. Alors, je vais repartir ici sur images. Et je vais utiliser bien ce petit personnage. D'accord Allez, on part sur effet, on va sur taille position rotation, appliquer. On va le réduire bien sûr. Alors là, vous voyez, je reste toujours à 75% parce que j'aurais besoin de sortir et eh effectivement les objets à l'extérieur de l'écran. Donc c'est pour ça que je reste sur ce pourcentage là. Donc je reviens ici au début. Hop, je vais faire apparaître à partir de la gauche première clé. Ici, donc je vais le faire arriver comme ceci ensuite je vais refaire la même clé équivalente donc je le bouge pas donc comme ça ça va faire un mouvement statique il va pas bouger et ensuite pour donner un petit effet d'avancer tout doucement comme ça et après je vais le faire partir direct de l'autre côté voilà c'est parce que voilà hop donc ici je reviens là je fais interpolation baisier et là, je fais lecture. Et encore, je trouve que si on enlève, ce sera encore mieux. Voilà. Et voilà. Alors pour les mains, alors pour les mains, ça va être très simple. Vous allez voir euh, les petites menottes. Alors il y en a une ici. Voyez donc, hop, si je fais déjà, je vais sélectionner la piste 3, taille, position, rotation, appliquer. Et là, je vais la réduire, d'accord. Je vais la réduire un petit peu, je vais la décaler comme ceci. Et si on veut euh, que la main attrape le petit jeune, par exemple. Hein? Eh bien, on va dire qu'on va la cacher, on va faire comme ça. Voilà, donc hop, je fais ça. Je vais faire avancer donc comme ça, comme si c'était derrière. Et ensuite, je veux que... La, la main redescendre un petit peu comme ceci comme ceci peut-être et ensuite je vais lui donner un aspect donc de main qui va commencer à basculer pour l'attraper on voit qu'il va disparaître Alors là, on n'est pas si bon que ça parce que je vais descendre un petit peu, voilà, comme ça. Donc là, on, normalement, on devrait voir la bascule si on fait lecture. Donc là, on devrait le voir arriver ici. Voyons. Hop. Et voilà. Vous voyez, donc là, on peut donner des animations sympas aussi. Et là, on peut faire en sorte que la main, eh bien, redisparaisse Donc là, on va lui dire, eh bien, écoute, je te remets ça à zéro. Et tu vas reculer un petit peu pour dire que t'es énervé. Et tu vas redescendre directement, comme ceci, à la verticale. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le petit personnage. Hop. Et voilà, et ça redescend. Vous voyez, donc, c'est des animations euh, très simples, hein, mais ça se joue euh, vraiment à très peu. Il faut bien, bien, bien euh, centrer tout ça. Quoi. Voilà. Ensuite, pour euh, la disparition de la petite sorcière, eh bien, euh, vous allez voir que ça va être très simple. Hop, je vais mettre la petite sorcière. Je vais juste la redimensionner. D'accord Voilà. Alors, je vais la redimensionner. Donc, ce qui veut dire qu'ici, et eh bien, le personnage, je vais tout simplement le faire disparaître. Donc, ici, je fais une première clé, et là, je vais mettre à zéro, comme ceci. Donc, si on regarde, comment ça fait Lecture, et hop. Vous avez vu, elle a disparu. Mais comment je fais pour qu'il y ait ce sentiment eh bien, Je vais aller sur modèle. Vous allez sur modèle, objet, image et sur amusement. Et là, vous avez sentiment. Hop, vous le déposez dessus. Mais le problème qu'il y a, c'est que lorsqu'on pose ceci dessus, eh bien, ça va se grouper. Donc, il faut qu'on dégroupe pour qu'on puisse déplacer ceci et ceci. Donc, vous voyez ici en haut. Vous avez dégroupé Mage plus G. Donc vous cliquez dessus. Donc là maintenant, on va pouvoir déjà un remettre le son en dessous de la piste. On resélectionne les deux. Et comme le curseur ici n'a l'a pas bougé, vous allez voir que si je reviens un petit peu, vous lâchez, vous retirez, vous lâchez, vous tirez. Et là à un moment donné, vous allez voir, regardez le scintillement qui commence à arriver. Donc là, hop, vous lâchez. Ce qui veut dire que là, on n'est pas très loin à faire en sorte que... Alors... Voilà, je pense que là, c'est bon. Lecture. Et voilà. C'est tout simple. Alors si on voit que la petite sorcière euh, fait un petit effet, on va juste avancer un petit peu comme ça, la dernière clé. Soit plus rapide. Alors encore. Voilà, je pense que là, ça va le faire. Voilà. Vous voyez, là, on est bien. Voilà, parce que là on la voit pas encore en arrière. C'était très très léger, mais bon. Là vous voyez avec la dernière clé vous, vous rapprochez pour être vraiment au plus juste quoi, pour qu'on la voit plus derrière. Là vous voyez, là vraiment, elle a vraiment disparu. Voilà. Allez, je vais prendre le petit panneau et donner sa petite animation. Donc là c'est pareil, on va appliquer. Et là ce que je vais faire, je vais utiliser donc bien pareil des keyframes. Hein, on en est toujours pareil. Et on va jouer avec l'axe X comme ceci, un peu plus loin et puis là, faire comme ceci, mettre à zéro, interpolation Bézier, hop, faire lecture et voilà. Donc voici comment on fait la petite bascule du panneau. Pour la petite citrouille, la petite citrouille, hop, on va pouvoir réduire, pareil, appliquer. Hop, et là on va jouer avec tout simplement l'axe Z, hop, comme ceci, une clé, une deuxième, une troisième, et la quatrième, on va l'arrêter. Donc on va se remettre à ici, à zéro. Voilà, donc là normalement, elle devrait bouger. Et voilà, donc là c'est repositionné pour le balai. Ça va être simple, hop, c'est pareil. On va le faire naviguer, ce qui veut dire que on va déjà le réduire comme ça un petit peu, et puis on va le faire balayer. Alors, pour le bouger, on va faire ça on va faire une clé, on va avancer, deuxième clé. Là, on va le ralentir on va juste le baisser un petit peu comme ça pour donner un effet de mouvement plus lointain et là si je fais lecture voilà vous voyez et après ben, vous rapprochez les clés une fois en fonction de ce que vous souhaitez réellement Voilà, Allez, on fait lecture, on va voir comment il va se comporter. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Pour terminer, je vais ici revenir sur les, la vidéo, la vidéo donc des souris, des chauves-souris. Donc, hop, je fais ne pas ajuster. Mais c'est pareil, on va aller sur effet, effet vidéo, chrominance, masquer la zone de couleur. Et là, j'ai utilisé l'outil de sélection. Et là, hop, je fais comme ceci. Et là, maintenant, tout est détouré. Voilà, donc là maintenant vous n'avez plus qu'à simplement réduire et le positionner, comme j'ai fait moi tout à l'heure, c'était sur euh, par rapport à la présentation. C'est-à-dire que là, si je vais sur tout simplement image, utiliser ceci, et eh bien vous voyez que là vous avez les petites souris, chauve-souris, qui apparaissent ici. Voilà. Par contre cette image là, vous la mettez, vous faites le plus b. Voilà, comme ça, ça va bien bien centré comme il se doit. Et bien voilà, donc euh, pour terminer, pour faire ce petit halo, et bien on va aller tout simplement sur Modèle, on va aller sur Objet Image et vous avez un masque de calque. Vous cliquez dessus et là vous allez mettre le 01 en dessous. Il va se mettre automatiquement un masque alpha. Et là vous inversez la flèche. Donc là déjà vous avez l'effet de vignettage qui est quand même très accentué et là pour faire que ce soit moins fort et eh bien on va jouer avec le niveau vidéo donc on part sur chrominance et je baisse le niveau vidéo comme ceci voilà et ensuite si vous trouvez que c'est pas assez large vous repartez sur affichage animation taille, position, rotation, appliquer et là on peut agrandir un petit peu comme ceci pour donner un espace beaucoup plus grand sur, euh, sur le vignettage c'est à dire que là ce sera moins foncé un peu plus fondu. Et là, on est quand même sur quelque chose de plus sympathique. Voilà. Ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.